Bon matin, gang. Il est 4h du matin. Mes bagages sont prêts. Je vais porter ça dans l'auto. Ça, je trouve ça plate. Je trouve tellement beau ce sac-là. C'est Tom qui me l'avait acheté parce que justement, il savait que je le trouvais beau. Mais il pète de partout. Tu sais, la ganse ici, elle a pété. Le zipper, il a pété hier. Fait que je peux même plus le zipper. C'est vraiment en poche. Puis, tu sais, c'était des sacs chers, là, vraiment. Là, c'est cheap. Ah, ma fille, t'attends ton tour pour manger? Ouais. Allô, gang! J'ai fini de travailler à 6h, je suis montée à Québec. Et là, je sors de souper aux Trois Brasseurs avec mes beaux-parents, ma belle-sœur, mon beau-frère et des enfants. Puis, j'étais vraiment triste que Tom soit pas là. Puis, je suis vraiment triste parce que Tom était supposé venir à Trois-Rivières lundi prochain jusqu'à lundi prochain, fait que pendant une semaine de temps. Il est en congé une semaine de temps, sauf le mardi. Puis il a demandé son congé, puis il l'a pas eu. Puis je suis comme vraiment, 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 vraiment tellement déçue, là. J'en reviens pas qu'il puisse pas avoir un congé. Ça me fâche tellement, ça me fait tellement de la peine. Ça fait déjà au moins un mois qu'on s'est pas vu, puis là, il descend pas avant un bon... Je pense que c'est 2 ou 3 semaines, je me souviens plus exactement. Fait que ouais, je suis vraiment déçue. Mais bon, c'est la vie. Aujourd'hui, ça a été une belle journée au travail, mais en même temps, il y a eu des trucs pas drôles. Ben, tu sais, pas le fun. Pour les employés, je dirais. Il est arrivé quelque chose à un de nos collègues, dans le fond. Fait que c'était vraiment triste, mais là, ça devrait bien aller. Ah, j'ai même pas tout mangé mon sandwich. J'ai pris un sandwich. J'ai même pas tout mangé mon sandwich, ni mes frites, puis je suis pleine, pleine, pleine. Mais j'avais pris un shake de frotte avant. Puis il me semble que je voulais vous dire autre chose. Je me sais, puis c'est quoi? Je passe devant un Starbucks, puis j'ai tellement le goût d'arrêter, là. J'ai mon goût d'arrêter de me chercher un frappuccino au caramel. Ça fait tellement longtemps que j'en ai pas pris, là. Mais ouais, j'ai vraiment passé une belle soirée. Je suis tellement contente d'être avec la famille de Tom. La famille de Tom, pour vrai, c'est comme ma famille, là. Je me sens bien avec eux, puis c'est rendu... Tu sais, j'y vois quasiment plus souvent que ma propre famille, là. Ouais, je suis vraiment, vraiment bien avec sa famille. Fait que là, on s'en va à la maison. Ben, je suis... à Tom et sa blonde. Puis, c'est ça. On va se coucher. Demain, on va au pommes et à la chocolaterie de l'île d'Orléans. Tu sais, je voulais quasiment une journée cette semaine. Finalement, j'ai travaillé tous les jours, là, mais je voulais quasiment descendre une journée aller-retour pour aller à la chocolaterie de l'île d'Orléans parce que ça ferme le 9 octobre. Puis, on est déjà le 6. Puis je voulais un dernier cornet avant que ça ferme parce que c'est le meilleur cornet que j'ai jamais mangé de toute ma vie. Là. On s'entend que c'est pas trop accessible là, parce que c'est quand même loin de chez moi, mettons. Là. Mais c'est quand même proche de chez le frère Tom. Puis je voulais vous dire autre chose, mais ça, je m'en souviens pas. En tout cas, je me suis changée à job avant de partir. J'ai mis comme une chemise karaté rouge et noir avec des leggings. Puis c'est ça. Hey, est-ce que je résiste à l'envie d'aller au Starbucks? Il est juste là. Ah là, c'est vert. Faut que je me décide. Non, j'y vais pas. Je suis bonne, j'y vais pas. Fait que c'est ça, gang. Tu sais, je filme pas avec la famille Atom. Fait que c'est pour ça que le vlog est pas long. Je vais donner le cadeau à Cali en arrivant. Puis, mon gaz. Mon char sent extrêmement le gaz, comme quand j'avais une fuite dans mon tuyau à gaz, ou je sais pas trop, puis que je perdais full de gaz. Là. Puis sérieusement, je perds vraiment du gaz. Là. Je l'ai tanké full hier, puis déjà presque à la moitié. Puis dans le fond, je suis juste venue à Québec. Là. En Québec, d'habitude, ça dépense une coche, là, pas la moitié. Il sent vraiment l'essence, je suis tannée, là, ça fait chier, ça fait 2 fois que je le fais arranger. Une fois c'était un tuyau à gaz, puis une fois c'était la tank à gaz qui était percée.
percer ou en tout cas à couler là. Puis j'ai fait arranger, puis là ça sent encore le gaz. Puis c'est sûr que j'ai encore une fuite là, c'est sûr. Je vais passer devant mon ancien travail. Ça me rappelle des souvenirs. Je m'ennuie vraiment de Québec. Je suis sur le boulevard Le Bourgneuf en ce moment. Je m'en vais chez Frantum. Le gaz est moins cher à Québec, mais il a toujours été moins cher, un petit peu moins cher à Québec qu'à Trois-Rivières. J'aurai pas de misère à dormir ce soir, je pense. Je pense que je vais mettre mes white noise avec mes écouteurs, mais oh, c'est là mon ancien job. Mais je sais plus où j'ai mis mes écouteurs, c'est ça le problème. Je les avais tantôt au travail, puis quand j'ai rangé mon ordi, je sais pas ce que j'ai fait avec. Mais j'ai dû les mettre dans mon étui d'ordi, là. Sûrement. Puis un nouveau, ben en tout cas, j'avais pas remarqué ça quand j'étais allée aux galeries de la capitale la dernière fois, fait que ça doit être nouveau ou c'est nouveau depuis qu'ils ont refait des changements aux galeries de la capitale, puis j'avais pas remarqué. Mais il y a comme un stand à gros bretzel, puis on est passé devant, puis ça sentait vraiment bon, puis ça a l'air que c'est vraiment bon. J'aurais aimé ça aller en chercher un ce soir pour dessert, mais là, c'était fermé le magasin, là. Il est 10h. Quand on a fini le resto, c'était fermé. Mais tu sais, ça sort chaud, là. Ça doit être tellement bon, là. Bon, fait que c'est ça, gang. Je vous laisse. Puis on va se parler demain. Demain, comme je vous disais, on va aller d'Orléans, on va aux pommes, on va à la chocolaterie de l'île d'Orléans. Mais il y a un autre appui. J'espère tellement qu'il mouillera pas. Mais c'est à Trois-Rivières que j'ai regardé. J'ai pas regardé à Québec qu'est-ce qu'il annonçait. J'espère vraiment qu'il mouillera pas. Puis ça donne que ma meilleure amie Justine, elle va aux pommes aussi demain avec ses enfants. Sur l'île d'Orléans, mais je sais pas si on va à la même place. Puis aussi, je sais que Maud Dufour, je sais pas s'il y en a qui regardaient ses vlogs, mais je sais que Maud Dufour qui va cueillir des pommes à l'île d'Orléans demain. Puis Alexandra Larouche qui est allée aujourd'hui ou hier. Puis une autre de mes abonnées qui me dit qu'elle est à Québec demain. Fait que j'espère croiser quelqu'un de ce monde-là, c'était cool. C'est ça, gang. Je vous dis bonne nuit, puis on va se parler demain. Bye tout le monde. Bye, 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 bye. Bye.